Salut. Salut. Enchantée. Lucas. Ah bah c'est pas trop tôt. Comment ça va? Trop de plaisir de te voir. Trop belle. Ça va? Mais oui. Merci. Mais je pensais que tu viendrais avec ton mec. Non, on s'est séparés, mais. Pose tes affaires et sers-tu un truc à part dans la cuisine. Ok. Bonjour. Ça marche. À toutes. Putain meuf, t'aurais pu me dire qu'il y a plus de champagne. J'en aurais ramené. Oh pardon. Je croyais que c'était Suzanne. Non, t'inquiète. Mais du coup, ça tombe bien parce que j'en ai ramené. Bah, c'est parfait. Je m'appelle Agathe. Salut, Lorraine. Tu joues au jeu? Bah, vas-y, je t'en prie. Que t'es délicate. Force tranquille, toujours. Ça, c'est cool la soirée. C'est pas grave. Non, mais comme désolée. Ça, c'est fait. Bah écoute, au moins, c'est une rencontre. Arrosée. Ok. Super, tiens, je te sers, tu vois. T'en as pas trop partout. Non, ça va. Je suis désolée. Je crois qu'elle a un peu. Une trinque à quoi? À nous. À nous. Vous venez, on va faire le cadeau. Providentielle apparut sur le quai un matin de juillet. Mes yeux la dévisagent, elle dans mon paysage. Ça tourne autour de moi, je ne sais même pas dire pourquoi. Je dois aller vers elle, l'évidence m'appelle. Je ne la connais pas, oui c'est vrai, mais je sais déjà que je vais l'aimer. Comme un cadeau du ciel qui n'arrive qu'une fois. Oh, regarde comme c'est beau de laisser nos deux peaux s'aimer sous l'arc-en-ciel. Qu'importe les regards, ils n'ont aucun pouvoir face à l'immensité des sentiments d'éternité. Tous les matins du monde, quand nos mains se confondent, je touche le soleil là-bas au pays des merveilles. Mais qui renonce à ça? Peux-tu me dire pourquoi la vie est contenue là, dans ces instants fragiles et rares? Elle et moi depuis des semaines, à s'aimer comme des reines, loin des ragots, loin de la haine. Nos corps en aventure dans ce jardin d'Éden où l'eau est douce et pure et les fruits ont le goût du miel. Mais déjà tout bascule, je la sens qui recule à l'idée d'être celle qui aime une autre demoiselle. A-t-on vraiment le choix? Le cœur impose sa loi, pourquoi serait-ce mal? Comme c'est beau de laisser nos deux peaux s'aimer sous l'arc-en-ciel. Qu'importe les regards, ils n'ont aucun pouvoir face à l'immensité des sentiments d'éternité. Tous les matins du monde, quand nos mains se confondent, je touche le soleil là-bas au pays des merveilles. Mais qui renonce à ça? Tu me dis pourquoi la vie est contenue là, dans ces instants fragiles et rares. Elle, la fille providentielle, apparut sur le quai,
ce matin de juillet et monter dans le train, celui des droits chemins, préférant un destin un peu tracé, un peu plus simple. Parfois je pense à elle, j'entends son cœur en peine, piégé dans ce combat devant lequel elle renonça. Entre soi et le monde, la liberté sans ombre, le droit chemin, c'est ça. Au fond, oh, regarde comme c'est beau de laisser nos deux peaux s'aimer sous l'arc-en-ciel. Qu'importe les regards, ils n'ont aucun pouvoir face à l'immensité des sentiments d'éternité. Tous les matins du monde, quand nos mains se confondent, je touche le soleil là-bas au pays des merveilles. Mais qui renonce à ça? Peux-tu me dire pourquoi la vie est contenue là, dans ces instants fragiles?